soleil il est en train de me déglinguer. Ouah, est-ce que je suis focus là? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de JV Power. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Ah là là, qu'est-ce que ce mot est en vogue en ce moment. Voilà, aujourd'hui on se fait une petite journée. Là je vais surtout vous montrer un peu ce que je fais le matin. Petit rituel. Et ensuite ce que je mange au petit déj, normalement avant ma séance. Là je regarde en même temps si ça va. Si ça va bien, parce que l'autofocus il est pas top hein. Mais je vais pas faire de séance ce matin. Je vais la faire ce soir, juste avant mon cours de step. Parce que oui, je donne des cours de fitness aussi. Donc, juste pour dire, pour les personnes qui me connaissent et qui me connaissaient d'il y a un peu moins d'un an, j'ai eu une période vegan, donc végétalien à 100%. C'est pas que ça a pas marché, parce que je me sentais hyper bien, etc. Mais psychologiquement, il fallait que je fasse un choix. Donc, je remange des œufs, voilà. Donc, moi, je vais pas me justifier de toute façon. Donc, dans cette recette, il y aura des œufs. Je vous préviens direct. Peace! Ok, on se retrouve dans la cuisine du Power. Référence à un pote, hein, si tu regardes la vidéo, tu comprendras. Premier réflexe que je fais, je vais poser ce truc. Ça pèse une tonne. Je me fais de l'argile en poudre, de l'argile verte. Je la fous dans un verre, une cuillère à café, et voilà, je la bois direct. Deuxième étape, je vais prendre une clémentine, parce qu'en ce moment il y en a. Je prends une clémentine et je la graille. Vu que les vitamines et le sucre des fruits est beaucoup mieux assimilé à jeun, pourquoi pas en profiter? Alors maintenant passons à la recette du bowl cake. Pour ça, tu vas avoir besoin de plusieurs choses, évidemment. Flocons d'avoine. Si jamais t'es un musculeux, tu connais les flocons d'avoine normalement. Tu peux remplacer ça par des flocons de sarrasin, la farine de sarrasin, la farine d'avoine, tu fais ce que tu veux, tu te fais plaisir. Si jamais t'as un transit un petit peu faiblard, tu vois, et que t'as des intestins un peu fatigués, tu peux rajouter un petit peu de fibres dedans. Mais les flocons d'avoine en contiennent déjà, mais tu peux rajouter du son de blé ou du son d'avoine, à toi de voir. Ensuite il faut des œufs. J'essaierai de vous faire une recette sans œufs aussi pour répondre à la demande de tout le monde. Oh le con, il a failli tomber. Un peu de poudre à lever, faire en sorte que ça gonfle un petit peu plus. En option, vous pouvez aussi rajouter des bananes. Moi j'en rajoute deux parce que t'as vu la gueule des bananes ou quoi. Les bananes ils sont bientôt prêtes à rendre l'âme. Du sucre de canne complet. Donc ouais, vous allez me dire du sucre, mais c'est du sucre de canne qui est complet. 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 C'est-à-dire qu'il contient beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, et qu'il n'est pas raffiné. Ça veut dire que la glycémie, elle va monter moins vite. En option, du lait d'amande si jamais c'est pas assez liquide. On va pas faire de conneries. Chocolat en poudre, donc c'est du 100% cacao vanouten bio dégraissé, tout ce que tu veux. Ok, maintenant on passe à tout le bordel. Ah, j'ai aussi failli oublier de dire, éventuellement un blender, mais tu peux faire ça à la main, d'accord? Donc pas de panique. Ok, moi tu vois, j'ai mis bon, 100 grammes, 100 grammes de flocons d'avoine. Mais si jamais tu veux faire moins et en fonction de tes objectifs, focus, si tu veux faire en fonction de tes objectifs, par exemple si tu manges deux fois moins que moi parce que tu pèses moins lourd, etc. Tu mets 50 grammes de flocons d'avoine et tu divises la recette par deux. Après moi sincèrement cette recette je l'ai pas prise sur internet hein. Je l'ai inventée moi-même. Donc à un moment il faut faire un peu en fonction aussi de vos objectifs et de vos goûts. Vous avez rien vu. Bon, ensuite c'est simple, tu fous ça au micro-ondes de 3 minutes et tu vas voir le bordel que ça va faire.
dernière étape maintenant, La garniture. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute des fruits rouges. Ah putain, le con. Donc des fruits rouges autour, c'est chaud, c'est super chaud. J'ai utilisé le bol pour faire le truc là. Ah, c'est chaud. Donc j'utilise ça, petit cocktail de fruits rouges. La mare, c'est chez Intermarché. Voilà. C'est pas bio, je sais, mais bon, c'est toujours bien. Et ensuite, je rajoute un petit peu de lait d'amande autour. Voilà, comme ça. Je peux le tremper dedans si jamais c'est trop sec. Et je rajoute encore du sucre de canne complet. Ouais, parce que voilà, je suis en prise de masse. Je peux faire péter le sucre, je suis prof de fitness, donc j'ai besoin de calories. Voilà. Hop, je rajoute un yaourt au soja pour finir. Et voilà, ça ressemble à rien, mais c'est bien bon. Bon appétit.